Ça. Je me dis quand ça commence à se connecter. Hein. C'est bon, C'est bon? on Il y a du monde? commence. Il y a trois personnes. Trois personnes. Ok. On va essayer de se connecter un tout petit peu. Attention au micro. Bon. Il y a du monde ou pas? Ouais, Ça ça arrive? Hello, hello les amis! Écoutez, je suis ravi de vous retrouver ce matin avec une pêche d'enfer. Je sais pas si vous avez vu la bonne nouvelle, mais on va être confiné encore 15 jours, ce qui veut dire que vous allez devoir me supporter encore 15 jours. C'est pas top ça? Ça va être terrible pour vous, hein. Vraiment terrible. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que ce matin, bah écoutez, apparemment le temps se dégage, la température remonte un tout petit peu. C'est légèrement nuageux, mais je pense que le soleil est en bonne position pour nous faire passer une journée très agréable. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ainsi que ceux qui fêtent leur anniversaire de mariage, ils se reconnaîtront. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours donc qui va être axé, comme vous avez pu le voir, sur la taille et sur les fessiers. Alors pour la partie taille, je suis désolé, mais mes mamans enceintes, vous n'allez pas pouvoir malheureusement faire la première partie du cours. Vous pourrez faire la deuxième partie si vous le souhaitez, parce que c'est pas très adapté à des personnes qui ont un petit enfant dans le ventre. Voilà. Sinon, pour tous les autres, bah, pas de problème, pas de restrictions particulières. J'espère que vous allez prendre du plaisir dans ce cours. On va vraiment fixer la taille. Ah oui, j'oubliais. J'ai un défi. Il faut que je vous donne la recette de la pâte au pancake pendant le cours. Donc, désolé pour ceux qui ne veulent pas que je parle, parce que je parle tout le temps. Mais là, je vais parler pour la bonne cause. Donc, Pierre, si tu me regardes, oui, à un moment donné, je vais te donner la pâte pour faire la recette de la pâte pour faire les pancakes. Ok? Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Vous avez pris votre bouteille d'eau, votre serviette, le gel pour les mains, votre tapis qui n'est pas trop loin non plus. Faites un peu de place dans le salon, d'accord? Je vais monter un peu les boîtes au niveau de la musique. La régie, c'est Marie, elle est derrière, elle me lit vos messages. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous lui dites et elle me le dira parce que moi, je ne vois pas ce que vous marquez, d'accord? N'oubliez pas le hashtag confiné mais pas déprimé. Et puis, mettez votre localité, c'est toujours sympa de savoir d'où vous êtes. Et surtout qu'on est en train de créer la plus grande salle de sport du monde, d'accord? Le plus grand studio fitness du monde, puisque quand... que ça se fait aussi à La Réunion, ça se fait aussi au Canada, ça se fait aussi en Belgique, en Italie, en Espagne et au Portugal. Donc on est tous ensemble ici pour passer un bon moment, pour se sortir les idées de tout ce qu'on entend toute la journée, d'accord, et juste se décontracter et s'amuser. Voilà, mettez de côté tout votre boulot, mettez de côté votre télétravail, mettez de côté le coronavirus et restez juste avec la pêche et la bonne humeur, d'accord, dans la convivialité et l'amour, ok? Soyez positive, keep positive attitude, ok? On y va? Allez, go, c'est parti, je monte les watts. J'ai mis le short aujourd'hui, hein. Ça va plaire à certaines. Attention. On y va? Je pousse un tout petit peu mon tapis qui va me gêner, ici, voilà. Restez avec moi, commencez à inspirer, montez vers le plafond et revenez. Encore, inspirez, montez vers le plafond et revenez. Toujours, encore une fois, super. Dernière fois, gardez bien les jambes vers l'extérieur. Ok, ici, petit jog avec moi. On chauffe tout doucement, tranquillement, petit jog sur place. Laissez bouger vos bras. Ok. Super. Encore, encore. Tranquille. Ok. Est-ce que vous avez un peu de glace devant chez vous? Je pense que oui. Vous devez arriver à avoir un mètre, d'accord? Vous allez jogger comme ceci, avancer, reculer. Avancez. Restez sur place. 4, 3, 2, reculez. Hop. Restez sur place. Ok, 4, 3, 2, plus difficile dans la diagonale. Avancez,
Restez sur place. 4, 3, 2, reculez. Hop, restez sur place. Tournez de l'autre côté, d'accord? Ok, on y va, avancez. Hop, super, restez sur place. 4, 3, 2, reculez. Super, restez sur place. Vous avez compris? Devant, côté, côté. On y va, go. Yes, restez sur place, vous allez pousser les jambes sur le côté. 4, 3, 2, reculez. Hop, restez sur place et poussez les jambes sur le côté. 4, 3, 2, même chose dans la diagonale. Avance, restez sur place et pousse, 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 recule. Hop, restez sur place, pousse, 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 avance. Yes. Super, sur place. Bien, juste pour chauffer, d'accord? Hop, reculez. Yes, sur place. Allez, encore une fois, ok? D'accord? Tous ensemble, avancez, go. Et je vous vois là. Et pousse, et pousse, et pousse, et pousse, et pousse, recule. Hop, reste. Pousse, et pousse. Super. Hop, avance, go. Excellent, et pousse, et pousse, et pousse, et pousse, et pousse, recule, et hop, super, et pousse, et pousse, et pousse, et pousse, et pousse, l'autre côté, yes, hop, hop, pousse, 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 recule, yes, reste avec moi, excellent, et 7, et 6, et 7, reste avec moi, regarde ici, chasse, chasse, chasse. Chasse. Tu fais un grand pas à droite et à gauche. Ok? Tu essaies de pousser un tout petit peu sur les cuisses. Super. Même chose, tu pousses derrière le pied. D'accord? Tout petit, comme si tu faisais du patin. Tu as déjà fait du roller? Ok, tu pousses les bras. Yes! Super. Vous allez sentir, le cœur il va monter tout doucement, d'accord? Encore, encore. Yes! Excellent. Toujours, restez souple sur vos appuis. Regardez avec les mains ici. On va chercher loin, on va chercher loin. On va chercher loin. Encore. 8. Super. 7. 6. 5. Encore 4. On va mettre plus d'intensité si on veut. 3. 2. 1. Reste jog sur place. Yes. Ça va toujours? On a quasiment fini l'échauffement. D'accord? Ok. On va continuer. Je vous dis qu'on travaille la taille, d'accord? La taille. Alors on chauffe la taille. Allez, simplement, petit rebond, laissez tourner le bassin. Super. Excellent. Pieds joints, vous pouvez soit décoller, soit glisser. Vous twistez, comme vous voulez, d'accord? Si vous voulez mettre plus de cardio, vous sautez. D'accord? Si vous voulez moins de cardio, vous twistez. L'important, c'est de garder les épaules dans l'axe. Ok? Et vous serrez au niveau du ventre. Et vous laissez les mouvements. Encore. 8. 7. 6. 5. Serrez vos abdos. 4. 3. 2. 1. On double. Hop. Double. On peut le faire en sautant celui-ci aussi. Regardez. Hop. Hop. Et ça fait monter le cœur. Ok? Super. Encore. Super. Hop, hop. Ou alors on reste au sol. Flexion sur les jambes. On garde toujours les épaules face à vous. D'accord? Face à moi. Super. 5, 6, 7, 8. Tempo. Yes. Et là, on peut monter les bras. On peut monter les bras. On fait un peu tout, on fait n'importe quoi. D'accord? Ok? Et 4, et 3, et 2, et on jog. Jog. Super. Ça va toujours au niveau du cœur. C'est monté un tout petit peu. Chez vous aussi. Température est montée. Super. Marie, tout va bien? Ils ont le bon son? Ils ont la bonne écoute? Ils sont nombreux ou ils sont nombreux encore? Mais 391. Yes. Excellent. Ouvrez vos jambes. Ok. Super. Restez avec moi. Restez avec moi. Je vous avais promis
un travail de taille et un travail de fesses. D'accord? Donc on va travailler la taille des fesses. Restez avec moi. Ouvrez vos jambes. D'accord? Vous serrez vos abdos. Surtout, vous ne mettez pas vos fesses en dedans. Ça, je ne veux pas le voir. Vous restez normal. Creusez pas non plus. Restez normal. D'accord? Serrez votre ventre. Ok, même le long du corps dans un premier temps, on incline à droite et à gauche. Ok? Avec moi. Allez chercher le genou simplement. Ce qui est important dans cet exercice, c'est que votre bassin ne bouge pas. D'accord? Ok? Votre bassin ne bouge pas. Ça, c'est très important. Vous serrez bien vos abdos. Vous gardez les épaules basses. D'accord? 5, 6, 7. 8 encore, hop, hop, encore, encore, excellent, toujours, super, super ce que vous faites, encore, encore, très bien, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1, on reste tout petit et presse. Fesse, 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 fesse. Toujours et presse, presse. Yes. Excellent. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 de plus. 8, 7, 6, 5. Vous allez voir, ça va travailler sur le côté, ça étire de l'autre côté. L'autre côté maintenant. Et presse, presse, presse. Ouais, jusque-là, ça va. Progressivement, ça va monter en intensité, d'accord? Ok, ne vous inquiétez pas si ça vous paraît facile. C'est juste pour commencer à dérouiller vos articulations et à dérouiller vos muscles, ok? Hop, encore. 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, alterne. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Même chose, tu tends les bras sur les côtés, ici. Super. Imaginez qu'on fait une énorme chaîne. Vous savez que c'est le but du groupe de faire une chaîne d'union solidaire. Imaginez qu'on peut tous s'attraper la main. D'accord? Virtuellement, on peut tous s'attraper la main. On fait tous une grande chaîne solidaire. Ok? On se tient tous par la main. On est tous ensemble. On est tous réunis par la tête, par l'esprit. Ok? On ne se lâche pas. Et on s'entraide tous. On se tient comme ceci. Ok? Imaginez qu'on fasse une grande chaîne comme dans la marine. Ok? Fléchissez au niveau des jambes et là vous allez accélérer le mouvement, ne bougez pas le bassin. Et vous serrez toujours, toujours, toujours le ventre. Ok? Super ce que vous faites. Les épaules, ça va vous rappeler un tout petit peu le cours d'hier. D'accord? Hop! Il y a toujours une logique à tout, d'accord? Il y a toujours une logique à tout. Jamais rien n'est fait au hasard. Ok? On fléchit, là ça bouge pas, hein, ça ne doit pas bouger ici, hein, ça reste fléchi dans le sol, ancré dans le sol. Et là on se tient la main et on se tire. Et je ne sais pas pourquoi ça me tire plus à droite qu'à gauche. Encore, vous êtes plus sombre là-bas que là. Allez encore, on continue. Yes, super, encore, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, garde la posture et tu repars en alternant, tu pousses le bras. Loin, où mon lustre. Ah, encore, pousse. Pousse, pousse, pousse encore, pousse, pousse, t'inquiète pas Marie, dès que tu tomberas pas. Hop, serre, 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 serre. Ça fait du bien aux épaules, ça relâche. Alors le fait de tendre les bras, les filles et les garçons, ça va permettre de les chercher plus loin sur le côté. D'accord? Encore 8, 7, super. Sur vos jambes, d'accord? Encore 4, encore 3, encore 2. Excellent ce que vous faites. On reste petit ici et presse, 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 super. Respirez encore, bien. Sentez vos abdominaux et votre taille qui travaille. C'est important, 7, 6, 7, alterne. Hop, 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 encore, super. C'est très bien, continue. Encore 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, restez petit ici et presse, presse, presse. La recette, papa. La recette, elle va arriver, elle va arriver, la recette, elle va arriver. Encore un peu de patience. Hop, hop, encore. 4, 3,
de regarder avec moi. Tu alternes, tu tires le bras vers le sol et l'autre vers le plafond. Très grand, très haut. D'accord? On va chercher un peu plus loin. Ok? C'est important que vous allez chercher loin avec la main vers le plafond et loin avec l'autre main vers le sol. Ok? Encore 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2. Écoutez-moi les filles et les garçons. Vous gardez la main vers le sol. Vous allez chercher la cheville et le plafond. Essayez d'aligner les bras ici, d'accord? Vous serrez le ventre, vous inclinez le buste, ok? Complètement, vous allez voir, ça va tirer sur la taille ici. Allez, go, avec moi. Super. Sentez votre taille là, ok? Encore, et 4, et 3, et 2, et tu alternes. Hop, hop, si tu as bien travaillé, si tu as bien écrasé, quand tu alternes, tu dois sentir le côté qui s'étire, d'accord? Hop, c'est la sensation que tu dois avoir. Ok, encore 4, 3, là, pensez à bien tirer le bras qui est vers le bas, et vers le haut, vers le ciel. D'accord? Vous tirez, vous essayez d'aligner les épaules. Super. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu alternes. Yes, super. Hop, dernière fois. 4 et 3. Fléchis un peu plus sur tes jambes pendant ce temps. Et tu mets tes mains derrière la nuque ici et tu alternes le buste. D'un côté et de l'autre. Ok? Super. Gardez les coudes haut. D'accord? 8. Hop. 7. Imaginez la taille. On va se faire une taille de guêpe pour cet été. D'accord? Et pour les messieurs, ça permet de travailler le V. Vous savez, le V au niveau des abdos. Voilà. Ce qui vous permet de monter la direction. Hop. Vers le bas. Encore 8. 7. Et 6. Encore. 5. Encore. Plus que 4. Excellent. Plus que 3. Super, plus que 2, oui, on reste tout petit ici, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'autre côté petit, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 petits, l'autre côté, 4, 3, 2, l'autre côté, 4 petits, 4, 3, 2, l'autre côté, 4 petits, 4, 3, 2, l'autre côté, 4 petits, 4, on réduit encore, on en fait 2 de chaque côté, d'accord? Et 2, hop, et 2, toujours, pensez à serrer le ventre au maximum, d'accord? Hop, toujours, encore, et 2, yes, et 2, restez bien fléchis sur vos cuisses, contractez les muscles des cuisses et des fesses, alternez, on y va, 8, super, 7, encore, 5, dernière fois, 4, hop, 3, super. 2. Regardez, vous fléchissez vos jambes. Restez là. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est que vous engagiez vos abdominaux, c'est-à-dire que vous rempliez le ventre. Vous restez bien fléchis sur vos cuisses et vous contractez les fessiers. On est ancré dans le sol. On y va. Hop, hop. On va rajouter un levier de plus, un niveau supplémentaire qui va vous obliger à gainer un petit peu plus au niveau des abdominaux. D'accord? Pensez à bien pousser le nombril dans le dos. Et on pousse les bras comme si on se battait. Allez, go! Yes! Et on laisse tourner les épaules. Super! Hop! Encore, encore. Excellent! Continuez. Ça travaille sur les obliques, ça travaille sur la taille. 8 de plus. 8. Encore. 7. Encore. 6. Encore. 5. Ne lâchez pas. Encore 4. Après, on voit le bout. 3. Super! 2, bien, 1, et tu relâches, et relâches. Relâche tout, relâche tout. Si tu y allais jusque-là, c'est génial. On a fait l'échauffement et la première partie du cours. Bois le coup, prends le tapis, prends la serviette. On va continuer à travailler la taille, d'accord? Et un peu les fesses en même temps pour après venir s'isoler complètement sur le fessier. Ok? Je compte sur vous. Essuyez-vous, buvez et on y va. Marie, je vais mettre loin, tu me diras si tu as mal entier. D'accord? Allez, go! Tout le monde est revenu, tout le monde a bu. Est-ce qu'à l'écran, vous voyez tout mon corps? Non. Qu'est-ce que vous ne voyez pas?
Qu'est-ce qu'on va faire, Marie? Parle. La tête et le pied. Alors, la tête, c'est pas grave, mais il faut voir les pieds. Non, la tête, c'est pas grave si vous la voyez pas. Regardez, là, est-ce que vous voyez les pieds? Oui. La tête, c'est pas grave si vous ne voyez pas la tête, d'accord? On ne peut pas tourner le téléphone pendant le direct, je suis désolé. Alors, je vais rester comme ça. L'important, c'est que vous m'entendiez et que vous voyez en fait le ventre, les fesses et les jambes. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Le ventre, les fesses et les jambes. Ça, c'est le plus important. Le reste n'a pas d'importance, d'accord? Vous mettez votre main au sol, devant vous. Ils voient jusqu'où, Marie? Toi, quel écran de retour? Moi, je l'ai pas. On voit ton bras. Ils voient mon bras. Ils voient du bras jusqu'au pied, c'est ça? Super. Donc, c'est parfait. C'est l'essentiel. Vous êtes en avant aussi. Vous allez commencer. Ça va chauffer sur la fesse et sur l'extérieur de cuisse. D'accord? On monte et on retient. On monte et on retient. La jambe est tendue. Ok? La jambe est tendue. Le but, c'est en avant. Ok, allez, on monte et on retient. On monte et on retient. Est-ce que ça va? Oui, vous commencez à la sentir travailler. La fesse et l'extérieur de cuisse. C'est ce qui va vous galber la cuisse. C'est ce qui va vous faire de belles cuisses. N'oubliez pas, je pense à la recette des pancakes. Hein, ça va arriver. Hein. Vous inquiétez pas, elle va arriver. Hein. Hop, je sais qu'il y en a qui attendent. Hein. Hop, serre. Encore. On serre. On serre. On serre. Ça va toujours? On reste petit. On presse, on presse, on presse. Ce qui est important, c'est que vous gardiez la jambe dans l'alignement du buste, que vous restiez en avant, d'accord? Et que vous rentriez le ventre dans le dos, ok? Vous serrez votre ventre. Encore, encore. On peut poser la tête sur la main ou sur le bras, s'allonger complètement. Montre, Marie, faites le téléphone vers moi. Voilà, vous pouvez être comme ça, d'accord? Ou comme ça, d'accord? Comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Allez, reviens vers là. On y va, on reste en haut, regardez, on reste ici et on ramène la jambe qui est dessous. Hop, hop, comme si on voulait appuyer, d'accord? Voilà, super. Et là, vous allez sentir votre fesse qui travaille. Puis après, vous allez voir, ça va monter sur votre taille aussi, ok? Vous allez voir, ça va chauffer, hein? Ça va chauffer aujourd'hui, hein? Allez, allez, courage, on y va. Encore, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, les deux jambes. Il y en a qui demandent comment on pose la tête. Comme ça, regardez, comme ça, vous la mettez comme ça la tête, ou comme ça. D'accord, c'est ce que je disais, la tête sur la main ou la tête sur le bras. C'est vous qui choisissez. Allez, on revient en bas, on a les deux jambes relevées, on presse vers le plafond et moi je sens déjà que ça chauffe là. Vous devez déjà sentir que ça chauffe, je crois. Aïe, 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 ouyouyou. Tapez un peu sur la fesse, ça va la soulager, regardez, donnez-vous la fessée, ça va soulager, mettez-vous une bonne fessée, ça soulage. Encore, 4, 3, 2, restez en haut, gardez la jambe dessous décollée, montez la jambe dessus, encore, et serre, retiens, et là tu sens la fesse qui travaille, d'accord, et tu sens la taille aussi, encore, et 7, et 6, et 7, et 8 encore, et monte, retiens, et là qu'est-ce qu'on dit quand ça fait trop mal, on dit... Ta race! Hop, encore, encore! 8, hop, et 7, excellent! Et 6, allez, courage! Et 5, toujours! Encore 4, très bien! Encore 3, super! Tenez, encore 2, excellent! Le dernier, revenez les deux jambes ensemble, petit, presse! Presse, 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 courage les filles, les garçons, on a bientôt fini! On a bientôt fini, allez, on s'accroche! Et vous vous rappelez que maman vous a fait avec deux jambes, hein? Donc il va falloir le faire de l'autre côté aussi. On reste en haut, petit ciseau. Hop, hop. Jambes tendues, pieds pointés. On ne fléchit pas les jambes, hein? D'accord? Les jambes sont tendues. Est-ce que vous sentez? Dites-moi si vous sentez. Dites-moi si vous sentez. J'en suis sûr que oui. Et si vous répondez oui, c'est que vous avez arrêté le mouvement pour taper le oui sur le téléphone. Donc pour tout le monde, 8 de plus. Allez, hop. Hop, encore, 5, 6, 7, 8, dernier, tu restes en haut, tu ne bouges plus, ici, et petit, comme ça, tu montes, tu montes, tu montes, tu serres, tu serres, tu serres, serre, 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 4, 3, 2, et tu relâches, et relâches. Excellent. Si vous avez tenu jusque-là, c'est super. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est pas agréable. Ça permet d'enchaîner à la fois un mouvement de fessier, un extérieur de cuisse et la taille, d'accord? Ça travaille tout le flanc, en fait. Le flanc, on connaît bien le flanc, hein? Le flanc pâtissier, le flanc aux œufs. Ben là, c'est le flanc humain, ok? Ça va? Oui, j'ai chaud. Je transpire.
C'est parce qu'il y a le feu derrière, j'ai chaud. Voilà, encore. J'ai mis la cheminée aujourd'hui. Ça va toujours? Maman vous a fait avec deux jambes. Papa aussi d'ailleurs, parce qu'il a un peu participé. D'accord? Donc, on y retourne, on fait l'autre côté. Marie va juste bouger le téléphone, mais avant ça, je vous remonte la position, comme ça on va être sûr de bien placer. Et puis épongez-vous, buvez un coup, je vous laisse encore une seconde. C'est bon? C'est bon pour vous? Alors on y retourne. Regardez, on s'allonge complètement ici, sur le côté. Au niveau de la tête, vous la posez soit sur la main, soit sur le bras. La position qui vous est la plus confortable pour vous. Vous pouvez en changer pendant l'exercice si vous voulez. C'est pas gênant, d'accord? Ce que vous devez faire, c'est surtout garder la main devant ici, en avant. Vraiment être vers l'avant. Et pas partir vers l'arrière, sinon ça va tirer dans le dos, d'accord? Vous restez vraiment en avant. Et si vous sentez que vous partez en arrière, arrêtez-vous, récupérez, positionnez-vous et repartez, d'accord? N'essayez pas de lutter, ok? Pour ne pas vous faire mal. Ça, c'était important. Donc la main devant et le ventre là. Vous le poussez dans le dos, vous rentrez le nombril et vous ne le lâchez plus, d'accord? On est bon? Ok, on allonge les jambes, on pointe les pieds si on veut ou on les met flex, d'accord? On serre ici, on part avec la jambe qui est dessus, on monte et on retient. Hop, ça va? Voilà, on est reparti. Alors pour la pâte à pancake, allons-y, pour la pâte à pancake, il vous faut un ingrédient. Un œuf, une cuillère à soupe de sucre en poudre. Une cuillère à soupe d'huile ou de beurre fondu. Une cuillère à café de levure chimique. 150 g de farine et 200 ml de lait. C'est bon ou je répète? Non, c'est bon, j'ai pas répété. On reste tout petit maintenant. On presse. Alors vous cassez l'œuf, vous le battez entier. Vous rajoutez la levure, le sucre, d'accord? Vous mélangez. Vous rajoutez la farine, vous mélangez. Vous rajoutez le beurre ou l'huile, au choix, vous mélangez, vous pouvez même rajouter un peu de zeste de citron si vous voulez la parfumer, d'accord? Hop, encore, on presse, dernière, presse, vous restez en haut et vous ramenez la jambe qui est dessous, hop, on applaudit avec les pieds, d'accord? On applaudit avec les pieds. Alors une fois que vous avez mélangé toutes vos poudres, votre œuf, de pâte dure et vous commencez. Et tout doucement, vous délayez. Comme ça évitera de faire des grumeaux. D'accord? Et quand la pâte est obtenue, une pâte à crêpes très épaisse, et votre pâte à pancake, elle est prête. D'accord? On peut rajouter une pointe de sel pour faire ressortir le goût du sucre. Les deux jambes ensemble. Hop, vous prenez une poêle chaude et vous faites vos pancakes et vous arrosez avec du sirop d'érable. C'est excellent. Le matin, au petit déjeuner, avec des œufs brouillés, du bacon, un verre de jus de fruits, c'est fabuleux. Hop, encore. Et bien des fruits, surtout des fruits. Bon, les myrtilles, les framboises, les fraises, d'accord? Excellent ça pour le petit déjeuner le matin. Dernière fois, vous avez les deux jambes ensemble, ok? Vous restez en haut, vous montez que la jambe dessus. Vous sentez que ça chauffe là? Oui, moi je suis sûr que vous sentez que ça chauffe. La jambe dessous est relevée, c'est que la jambe qui est dessus qui travaille, d'accord? Ok? On retient, on monte, on retient, encore, on monte. On monte, on retient, toujours on monte, on retient, on reste tout petit en haut ici, on presse, et là ça travaille sur la fesse, restez vraiment en avant, ne partez pas en arrière, si vous sentez que vous partez en arrière, arrêtez le mouvement, d'accord? 8, et on ramène la jambe dessous, presse, dernière fois, 5, là ça commence à chauffer, hop, les deux jambes ensemble, on monte, allez ensemble, et bienvenue aux nouveaux qui ont rejoint le groupe aujourd'hui, d'accord, bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint le groupe aujourd'hui, encore, et serre, encore, presse, 7, 6, on reste en haut, ciseaux, avec moi, jambes tendues, Encore, petit ciseau, super. Petit ciseau, jambes tendues, tendez vos jambes, faites des ciseaux. D'accord? Avec tout petit, ça fait travailler la taille. Encore avec moi, il y en a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 de plus. Hop, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, restez les jambes tendues le plafond, tout petit les deux jambes, on termine, allez, allez, go. Et là, logiquement, si vous l'avez bien fait, vous sentez que ça travaille sur ce côté, d'accord? Ok, c'est maintenant que vous sentez le travail sur la taille. Ok, allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu relâches, et relâches. Super. Dites-moi les garçons et les filles ici, si vous êtes allés jusque-là, c'est vraiment génial. Vous avez dû logiquement sentir votre taille travailler, l'extérieur de votre cuisse et le moyen fessier, le côté de la fesse, d'accord? Je pense que oui, logiquement, c'est ces zones-là que vous avez dû sentir travailler. Si ce n'est pas le cas, vous refaites le cours en replay de suite après, ok? Alors, on y va, on s'essuie un petit peu. Parce que moi, j'ai la cheminée qui chauffe derrière. Ok? Vous savez quoi? On boit. Et on va continuer avec les grands fessiers, d'accord? Les grands fessiers. Je vous avais promis un tour de la fesse. La taille, c'est fait. Le moyen fessier, c'est fait. Il a bien travaillé. Maintenant, on fait le grand fessier. Et ce sera déjà la fin du cours, ok? D'accord? Il n'y aura pas d'abdos dans ce cours. Je suis désolé pour les aficionados des abdos. Mais on en a fait hier, on en a fait avant-hier. Donc, on ne peut pas tout faire dans un cours, d'accord? Donc, il n'y aura pas d'abdos. Mais rien ne vous empêche de prendre un cours en replay. Par exemple, l'abdos challenge du cours numéro 9, je crois. Où on fait et de suivre en fait ce cours-là de suite après celui-ci, ok? Ça vous permettra de faire les abdos. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant, les grands fessiers, ok? Pour tout le monde. Allez, on y va, on va se mettre à genoux. Puisqu'on a fait les côtés, on va faire les gros derrière là, d'accord? On va remonter la fesse. Vous allez vous mettre sur les coudes. Sur les coudes, d'accord? Évitez de cambrer votre dos. D'accord? Là, vous serrez votre ventre. Vous pensez toujours à pousser le nombril dans le dos. Ok? Vous êtes ici et vous allez simplement, dans un premier temps, pousser la jambe derrière et ramener. Ok? Ramène. Ok? C'est parti. Et 4, et 3, et 2, on y va. On pousse. Hop. Hier, je l'ai fait la patte. Hein? D'accord? J'ai retenu le challenge. Donc voilà le challenge pour toi, Pierre, c'est de te faire prendre en photo en train de faire le cours par Patricia, alias Leonarda. Encore, pousse, 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 et tu la partages sur le groupe en tenue sexy. Encore, et pousse, pousse, tire. Conservez les hanches face au sol, n'essayez pas d'ouvrir la hanche, restez face au sol, d'accord? Hop. On reste derrière, on pousse, 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 pousse tout petit la jambe derrière. Marie, c'est important qu'il voie plus la jambe que ma tête, hein, d'accord? Ok, donc je laisse faire le cadrage, d'accord? Hop, hop. Si c'est pas bien cadré, vous engueulerez la cadreuse, hein? Encore, encore. Pousse, 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 pousse encore, pousse, 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 pousse encore, pousse, pousse. Pousse, restez en haut, regardez, vous ramenez le talon contre la fesse et vous gardez le genou à hauteur de la hanche. Pas plus haut, pas plus bas. Pas plus haut, pas plus bas, d'accord? Au niveau de la hanche. Hein? Le genou, il n'est pas ici, d'accord? Et il n'est pas ici non plus, hein? Il est au niveau de la hanche et tu presses tout petit maintenant. Tu presses, tu presses, tu presses, tu presses encore. Tu serres le ventre. Tu serres le ventre. Tu vas commencer à sentir la fesse qui travaille, les deux fesses, celle qui porte et celle qui agit, d'accord? Tu as les deux fesses qui travaillent. On continue, et 5, et 6, et 7, tu restes avec moi et tu pousses tout petit, jambes fléchies vers le plafond. Tout petit, jambes fléchies vers le plafond. Tout petit, tu pousses en haut avec moi, et pousse, pousse. Et là, vous allez commencer à sentir la fesse. Ça va commencer. Ok? Ce qui est important dans votre exercice, c'est d'y mettre de l'intention, les filles. Qui dit en fitness, une fesse mal intentionnée est une fesse mal travaillée. Pensez-y. Encore, encore, pousse, 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 pousse. Trois petits en haut, on descend. Et trois, et deux, et un, et tu retiens vers le sol. Et trois, et un, trois, et deux. Et 1, et tu retiens vers le sol. Et 3, et 2, et 1. Et sur les grands, c'est parti en 8. Et 7, et 6, et 5. Encore 4, et 3, et 2.
Super, on change de jambe de suite et on pousse derrière. On a changé de jambe. Hop, encore. On pousse loin derrière. Poussez la jambe loin derrière et conservez les hanches parallèles au sol. Je me mets de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Ok? On y va ici. On pousse derrière. Oups. On pousse derrière. Encore. On pousse. Hop. On pousse. Le dos est toujours positionné face au sol. Ok? Et les hanches sont vers le sol. Elles ne sont pas ouvertes, les hanches. Les hanches restent vers le sol. Ok? Hop, dernière fois. Et 5. Et 6. Et 7. Et on pousse tout petit derrière. Pousse. 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 Pousse encore. Pousse. 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 Pousse ton talon comme si tu voulais enfoncer un clou dans le mur. Avec ton pied. Comme si tu voulais enfoncer un clou dans le mur. Avec ton pied, d'accord? Est-ce que tu sens ou pas? Oui ou non? Je suppose que oui. Dernier, tu restes ici et tu ramènes le talon contre la fesse. Encore. Super. Continue à ramener le talon contre la fesse. Excellent ce que vous faites. Encore 4. 3. 2. Hein, on reste petit, le talon contre la fesse ici. Allez, allez. Hop. Encore, encore. Toujours, toujours. Hop, encore, encore. Serre, 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 encore. Serre, 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 toujours. Presse, presse. Reste, reste fléchi, pousse plafond, pousse, 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 pousse tout petit vers le plafond, pousse tout petit vers le plafond, voilà, super. Jambes fléchies, tu montes vers le plafond, tu pousses ton genou, encore. Super, continue, continue. Excellent. Plafond très haut là, d'accord? Vous allez sentir votre fesse qui va chauffer, ça va brûler, ça va cramer, ça va consumer, ok? Hop, 3 petits, on retient, les 3, 2, 1, retient vers le sol, 3, 2, 1, retient vers le sol, 3, 2, 1, retient vers le sol, 3, 2, 1, sur les grands, c'est parti, en 8, 7, 6, 5, encore 4, encore 3, encore 2, le dernier, tu relâches, relâche. Tiens les fesses loin vers l'arrière. Ok. Parfait. Allonge le dos. Ok, déroule ici. Place sur les mains. Ok, même chose en serrant un peu les abdos. Dernier exercice qui va faire travailler les abdominaux et les fessiers en gainage, d'accord? Ok? Fessiers en dynamique, pardon, et abdominaux en gainage. Vous rentrez votre ventre, vous mettez les mains sous les épaules, vous poussez une jambe, vous revenez, vous poussez l'autre, vous revenez. Et à l'opposé, vous poussez le bras et vous poussez l'autre bras, d'accord? Essayez de monter la jambe derrière et de pousser le bras ici. Si Marie ne voit pas tout, tu fais un tour de... Donc pour le téléphone, pour qu'il voie le bras opposé à la jambe. Le bras opposé à la jambe. Tu changes et on fait la même chose. Le bras opposé à la jambe. Ça fait travailler les abdos et les fessiers, d'accord? Ok, vous êtes bon pour la position? On y va? On va le faire lentement sur deux temps, ensemble. C'est parti. 1, 2, on tient. 2, 1, revient. 1, 2, on pose. 2. On pousse l'autre jambe, l'autre bras, on tient, ok, on revient, hop, on pose, vous avez compris, on y va, 1, 2, descends, tu poses, 1, 2, descends, tu poses, encore, 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 1, 2, descends, c'est un exercice de finition. 1, 2, descends, tu poses. Dernier, 1, 2, même chose, tu restes ici posé complètement tendu et tu comptes 8 temps. 8, pousse le ventre, 7, encore, 6, encore, 5, encore,
4. Si vous sentez que ça tremble, c'est bon signe. 3, 2, 1. Change de côté, même chose de l'autre côté. Et pour lui jurer, on a fini. On tient, on tient. On compte 8. Super. 7. Contractez la fesse. Engagez vos abdos. Ne lâchez rien. Encore. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et tu relâches. Relâche. Poussez les fesses arrière. Relâchez votre tête. Relâchez votre dos. Relâchez vos bras. Restez comme ceci. Ça fait déjà 45 minutes que nous travaillons ensemble. Le temps passe trop vite. Enfin, j'espère que pour vous aussi, le temps passe vite. Hein. Allez, on va faire un peu de stretching. Hop là. Allez, pour vous, petit stretch. Vous voulez ? On ne peut pas passer là-dessus. Logiquement, vous êtes toujours à genoux. Ok. Et là, vous allez vous venir vers l'avant. Tout simplement. Vous asseoir. Ok. Je vais mettre pas ça. Est-ce que ça a été ce cours? J'espère que oui. Moi, j'ai plus les lunettes. D'accord. Voilà. Vous restez. Ah, ça va? Ok. On s'étire? Ok. Petit étirement de fin de cours, tranquille, ok? Vous restez ici, vous placez vos bras, vos jambes tendues devant vous, ok? Vous serrez votre ventre, on descend vers l'avant. Et alors là, ce n'est pas un stretching comme hier soir, d'accord? C'est juste je relâche. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient des niveaux complètement différents. Il y en a qui ont de très hauts niveaux, d'accord? Il y en a qui débutent. J'essaie de faire un intermédiaire. Pour ceux qui... Il se peut que les séries ne soient pas trop, pas assez longues. Utilisez les temps de pause entre les exercices pour continuer le mouvement si vous voulez. Refaites le cours de suite après, comme ça ben, vous allez avoir deux cours d'affilée. Si vous allez voir là, ça va vraiment brûler. Alors, j'écoute vos remarques et vos réflexions avec attention parce que c'est constructif. Vous avez vu qu'on a rajouté le cours de wellness. Donc, vous me direz, je ferai une publication, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. On va faire un cours qui sera peut-être pas ouvert à tout le monde, qui va être un cours confirmé, d'accord? Qui durera 40 minutes et qui sera vraiment adressé aux gens qui sont confirmés, qui sont peut-être un peu frustrés de la simplicité des exercices ou du nombre de séries qui n'est pas assez intensif pour eux. Bien qu'on peut toujours s'adapter personnellement, hein, parce qu'après tout, on peut tous s'adapter, d'accord? Donc je vous propose de vous faire, puisqu'on a 15 jours de confinement, de joie de confinement ensemble, de vous faire, bien sûr, en plus des cours inscrits, en plus des cours, donc on ne changera pas les cours, d'accord? En plus des cours qui sont déjà là inscrits, de la bobologie, du wellness et de tous les cours fitness du matin, vous rajoutez, quand, je ne sais pas encore, dans la journée, je ne sais pas à quelle heure, d'accord? Mais un cours expert, ok? Un cours expert, comme ça, tous ceux qui ont un haut niveau fitness et qui ont envie d'aller plus loin dans l'effort, et de se surpasser, eh bien là, pendant 40 minutes, on va se mettre la pâtée. Ça n'empêche pas les autres d'essayer de le faire aussi, d'accord? Ça peut être un moyen de vous jauger pour voir votre progression, puisque ce cours restera aussi en replay. Et donc, progressivement, vous allez voir aussi, ça donnera une échelle de progression pour vous. Ça vous permettra de savoir où vous en êtes. Allez, on redresse, on croise la jambe dessus ici et on étire, tranquille. Donc, si ce concept-là vous intéresse, je mettrai dans la journée une publication, cours expert, on va l'appeler, cours expert. Et vous allez voter, en fait, tout simplement, vous allez me dire si vous souhaitez avoir un cours expert. Ne me demandez pas le jour ni l'heure, je ne sais pas encore. On va juste voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Et si des gens sont intéressés, ok, à ce moment-là, on le fera. Ok? Allez, hop, on change de jambe, l'autre côté. Comme ça, tous les frustrés. Cette série, ça va pas assez vite. C'est pas assez tonique. Eh bien, on pourra faire quelque chose de plus tonique, de plus rapide, avec moins de repos. Histoire que comme ça, si j'ai pas le coronavirus, c'est vous qui allez m'achever. Quoi. Pour ce mode, c'est ça. Allez, on y va. On croise les jambes ici, on prend appui au sol, on se lève. Ok. Regardez avec moi.
Hop, vous ouvrez, vous inspirez. Ok, hop, regardez, vous fléchissez sur la jambe et vous tirez l'artère ici. D'accord, très très loin. Vous revenez et l'autre côté, même chose. Donc, bon pancake pour ceux qui vont faire les pancakes. Et je pense à ceux qui ont mangé au chocolat aussi, qui m'ont envoyé sur le message en me disant on mange du fondant au chocolat. Ce cours leur était particulièrement dédié. Elles se reconnaîtront et ils se reconnaîtront. Vous savez que le fondant au chocolat, ça fait fondre les abdos. Hein. On tire les bras. On relâche les épaules. On relâche les bras. Et je vous remercie infiniment. Vous pouvez vous applaudir chez vous parce que vraiment, si vous avez tout fait jusqu'à présent, vous êtes des champions. Ok, je voulais vous remercier encore pour votre participation sur le groupe parce qu'on est passé, on a passé la barre des 3000 membres. Ok, je sais que ça va encore monter, donc ça c'est génial. N'oubliez pas que ce groupe est fait pour la bonne humeur, pour la joie. On laisse tout de côté, d'accord, le travail, les emmerdes, tout. Ok, et on se concentre en fait à un moment de bonheur et de plaisir pour se décontracter, ok, pour s'amuser. Ok, et pour oublier un petit peu la situation que nous vivons. Donc, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous un très bon samedi. Et n'oubliez pas, on se retrouve demain matin à 10h pour un cours surprise. C'est pas la peine de me demander qu'est-ce qui va être le cours. Allez, je vous embrasse tous. Plein de bisous à tous. Je vous aime très très fort. Bisous, bisous.